J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Des maléfices aux élèves. Et pourquoi pas les sortilèges impardonnables? Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Je ne t'ai pas fait attendre, si? Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Quel type de recherche mène-t-elle? Ça change toutes les semaines, mais c'est toujours en rapport avec des créatures. La semaine dernière, elle étudiait les genoux des boulus. Qu'est-ce qu'elle t'envoyait? Juste de la nourriture qu'elle a mise au point. J'allais la donner au professeur Owen pour les flaireurs. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son œuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son nid. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Comment peut-on suivre un dragon longtemps après qu'il soit parti? Des arbres abîmés, des marques de brûlure, ce genre de choses. Bravo! Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Alors on y va? Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son œuf. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce a l'habitude de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son œuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mères. Tu as compris tout ça en restant planté là? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son œuf. Tu es sûre que ce sera si simple? C'est un dragon, après tout. Les noirs des Hébrides peuvent être agressifs, mais ils s'avèrent aussi très intelligents. Elle a vite compris quand tu lui as montré comment quitter la tente. Elle saura pourquoi on est là quand elle verra son œuf. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Elle était bien là où tu le pensais, mais où est-ce qu'on doit emmener l'œuf? Son nid sera certainement au cœur de son antre, qu'elle gardera farouchement. J'imagine que l'endroit sera plus carbonisé que nulle part ailleurs. J'imagine que tu n'as pas songé à le garder, n'est-ce pas? Non, il lui appartient. Si je le gardais, je ne voudrais pas mieux que les braconniers. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son œuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. La voilà, au-dessus. Elle est rentrée saine et sauve. Ah, très bien. On dirait que contrairement aux autres dragons, elle ne portait pas de collier. De son œuf. Pour ce que ça vaut, elle semble pas faire attention à nous. Espérons que ça dure. Au moins jusqu'à ce qu'on termine ce combat. Je me demande combien il en a fallu pour la capturer. Au moins 10 en général.
Ils correspondent apparemment. Charmant. Attention où tu marches. Préparons. Je me demande jusqu'où elle peut voir. Je te demande pardon? J'imagine que les braconniers ne l'ont pas nourrie. Et de loin, il est fort probable que l'on ressemble à des moutons pour elle. Ces dragons raffolent des moutons. Ah, quel honneur. Attention où tu marches. Où ça la démangeait de se battre. Son attention. Rejoins-moi dès que tu pourras. Facilite pas la tâche.
chaleureux. Ça m'étonnerait qu'elle entende raison. J'aurais bien essayé, mais c'est un peu tard. Rejoins cette créature en tunnel. Si on atteint cette entrée, on pourra accéder. Voilà le nid, on y est presque. Pourquoi tous les ponts sont cassés ici ? Réparons. Maintenant, il suffit de lui rendre son œuf et on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de problèmes. C'était génial! Et tu as vu cette intelligence? Elle ne nous a fait aucun mal! Les créatures sont bien plus intelligentes que le pensent la plupart des gens. C'est ce que grand-mère dit toujours. Le plus important, c'est qu'on ait survécu. Et qu'on ait rendu l'œuf à sa mère. Merci de m'avoir aidée. Je ne t'en voudrais pas si tu veux retourner au château et ne plus jamais entendre parler de dragons. J'espérais prendre un peu plus de temps pour examiner les lieux, si ça ne te dérange pas. J'imagine qu'on peut faire une petite pause. Je suis prête à te suivre. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Tu es encore sous le choc, c'est ça? Non. Nous pouvons partir si tu es prête. Très bien. Après avoir sauvé le dragon au Hall Magyar, il faudra s'attendre à être attaqué par des braconniers dès la sortie du château. C'est normal. Après tout, nous avons saboté leur arène de combat et pris un œuf de dragon. C'est vrai. Alors pourquoi ne se sont-ils pas vengés? Ce n'est pas leur genre de se laisser faire. À moins que... À moins que quoi? À moins qu'il ne se soit pas laissé faire. Oh non, j'arrive pas à croire que je n'ai rien vu venir. Nous devons partir, je dois envoyer un hibou. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Nouveaux instruments pour
apprécier le spectacle. Il n'y a rien de plus agréable que de plonger ses mains dans la terre de la terre. Je suis prête. Hey, bonjour. Bonjour, Amit. Je crois me souvenir que tu parles le Gobel Babil, non? Si, effectivement, c'est bien le cas. Est-ce en rapport avec le gobelin avec lequel tu étais à Préolar? Oui. Il s'appelle Lodgok. Ton aide pourrait bien nous être utile. Il m'attend près d'une mine de gobelins. Tu accepterais de m'aider? Et comment? Ce serait formidable. Enfin, ce n'est pas dangereux au moins. Je crois qu'il veut simplement me montrer quelque chose avec du Gobel Babil. Si ça peut te rassurer, c'est un ami de Cyrona. D'accord, d'accord. Si Cyrona lui fait confiance, alors moi aussi. Tu n'as jamais parlé directement à un gobelin? Très curieusement, non. Mais je suis vraiment impatient. J'ai toujours rêvé de parler le Gobel Babil avec un locuteur natif. J'ai hâte de vérifier quelques subtilités de prononciation et de ton qui m'auraient échappé, étant donné que je suis autodidacte. Tu dis comprendre le Gobel Babil, mais à quel point? Je sais le lire depuis que... Je sais lire tout court. Et mes parents ont une bibliothèque bien fournie. Après avoir fini les classiques anglais, j'ai dévoré les récits gobelins. Je pourrais te citer quelques titres, mais tu ne comprendrais rien. Lodgok m'attend. On y va? Bien sûr. Je veux juste vérifier la prononciation de quelques mots-clés d'abord. Et ensuite, je te rejoins là-bas. L'endroit semble être assez agréable. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Des gobelins, voilà ce qu'il y a! Ceux de Ranrok, de bien méchantes créatures! Ils m'ont tendu une embuscade.
Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion Maxima devrait faire l'affaire. Je n'en ai pas sur moi. Vous pourriez aller en acheter à Préolard ou dans un des hameaux. Et me faire extorquer par des serpents cendres? Non, merci. Mais si vous ne m'aidez pas, je vais devoir prendre ce risque. Comment vais-je bien pouvoir éviter les hommes de Ranrok? Un ami qui parle le Gobel Babil va nous retrouver. Avant qu'il arrive, vous pourriez peut-être me dire ce qu'on fait là. Bien sûr. Ranrok n'a malheureusement pas été aussi enthousiasmé par le home d'Urdkot que je l'aurais espéré. Il connaissait déjà tous les détails du pillage et était persuadé que j'avais reçu l'aide d'un sorcier ou d'une sorcière. Comment pensait-il que les gobelins récupéreraient le home ? Je ne crois pas qu'il ait l'intention de se racheter. Je crains qu'il ne faille oublier toute notion de rationalité lorsque l'on traite avec Ranrok. Maudit soit Bragbor et ses fichus journaux. Bragbor ? Un des ancêtres de Ranrok, métallurgiste de renom. Si nous devons coopérer, j'imagine que je devrais vous en dire plus. Il n'y a pas longtemps, Ranrok m'a envoyé récupérer un ensemble de journaux de Bragbor récemment découverts. Ils font mention de certains dépôts que Bragbor aurait été chargé de construire pour un groupe de sorcières et sorciers. Qu'est-ce que vous entendez par des dépôts ? Ce sont de grands réceptacles fabriqués en métal gobelin et renforcés par la magie. Ranrok en a recruté d'autres pour m'aider à localiser les dépôts. Nous devions mener des recherches sur les 5 personnes dont les noms étaient mentionnés dans les journaux. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac et Rockwood. Le château de Rockwood. C'est par là que nous commencerons. Pourquoi Ranrok s'intéresse-t-il de si près à ces dépôts ? Il s'intéresse surtout à ce qu'ils contiennent. Pendant des siècles, les sorciers ont refusé de partager leur savoir magique avec les gobelins. D'ailleurs, vous ne nous laissez même pas porter des baguettes. Et donc, de nombreux gobelins, moi y compris, passent leur vie entière à se méfier de la race des sorciers. Ranrok est convaincu que les dépôts contiennent une sorte de pouvoir magique que les sorciers veulent garder pour eux. Il était, et est toujours, déterminé à s'en emparer pour les gobelins. Mais il... Voilà mon ami Amit. Nous devrions finir notre conversation plus tard. Bonjour, Lodgok. C'est un honneur, monsieur. Vous parlez le Gobel Babil ? Oh, Bagaléo ! Assez ! Ne me dites pas que c'était censé être du Gobel Babil. Si, ma prononciation n'est peut-être pas parfaite. Je suppose que selon les dialectes... Ce n'est pas la prononciation le problème. Ça ne ressemblait à aucune langue connue. J'espère que vous lisez le Gobel Babil mieux que vous ne le parlez. Oui, monsieur Lodgok. Lodgok suffira. Heureusement, nous n'avons besoin que de quelqu'un qui puisse déchiffrer les plans écrits, puisque je ne peux pas aller dans la mine. Quel plan écrit ? Et pourquoi ne venez-vous pas ? Nous devons découvrir ce que Ranrok sait ou ce qu'il complote. Je suis sûr qu'un fidèle négligent a laissé des plans dans la mine. Et je ne peux pas me joindre à vous, car je ne peux pas risquer que quelqu'un signale ma présence à Ranrok. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous faire remarquer. Que ce soit par l'œil au-dessus de la porte ou par un fidèle. Que doit-on savoir d'autre sur cette porte enchantée ? La porte ne s'ouvrira pas tant que l'œil peut vous voir. Vous et votre ami devez être invisibles pour passer. De ce que je sais de la magie des sorciers, ça ne devrait pas être trop difficile à réaliser. Amit et moi pouvons y arriver. J'attendrai que vous reveniez. Je vous dis à bientôt. Bon voyage, jeunes gens.
porte nous regarde. Les livres sont bien en dessous de la réalité. Une vraie mine de gobelins. C'est encore plus incroyable que je l'aurais imaginé. Je n'arrive pas à croire que j'ai rencontré un gobelin. Découvrons ce qu'on peut et partons. Regarde ce monte-charge. C'est vraiment du beau travail pour un engin aussi simple. Beau travail ou pas, c'est le seul moyen d'avancer. Ces machines fonctionnent à la vapeur. Intéressant. Bombarda. À vapeur, bien entendu. Incendio. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes dans une vraie mine de gobelins. Action! J'avais entendu parler de ces mines, mais je ne pensais pas en voir une. Nous devons faire très attention. Comme tu le sais, les gobelins ne sont pas tous aussi amicaux que nous. Sortir d'ici sans encombre, Amit. Promis. Incendio. J'ai l'impression d'être le personnage de l'un des romans d'aventure que je lis pendant les vacances. Regarde aux alentours, Amit. Essayons de trouver des plans. Il doit bien y avoir des plans quelque part dans les parages. Un schéma. Ils construisent quelque chose. Je n'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Étrange. Je finirai par découvrir ce qu'ils construisent ici.
si ma traduction est correcte, et je pense qu'elle l'est, ils construisent quelque chose de très grand. Mais quoi? Il doit y avoir d'autres notes dans les parages. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien construire? Je ne m'arrêterai pas à vous. Arrestons-moi maintenant. Je n'avais jamais vu de gobelins babillons rédigés par un gobelin. Les ornements sont extraordinaires. Surtout dis-moi si tu trouves d'autres plans ou schémas. On ne peut pas retourner voir l'autre Gok les mains vides. J'ai déjà affronté bien pire. Une autre chaudière. Cet endroit est plus complexe que je le pensais. Un autre schéma. Mais que construisent-ils? La mine est trop petite pour cette chose. Incendio.
Action. Du filet du diable. Nous devrons faire attention, cette plante peut être dangereuse. On ferait mieux d'éviter de s'empêtrer là-dedans. Lumos, Lumos. Je crois que c'était le dernier, Amit. Doué pour me faufiler. Tu verras. Incendio. Action.
pas encore trouvé tous les plans. Je dois continuer à chercher. Je n'aime pas ça. Ils construisent des foreuses géantes, trop grandes pour cette mine. Sortons d'ici et racontons à Lodgok ce que nous avons découvert. J'ai besoin d'un moment pour reprendre mon souffle. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une bonne chose que tu sois venu avec moi, Amit. Maintenant qu'on sait ce qu'il prépare, on peut sortir d'ici. On y est presque, Amit. Regarde, le monte charge. Ah, ça fait plaisir à voir. De ce qui vient de se passer. Alors, ce n'était pas si terrible. Si, c'était vraiment horrible. J'ai eu ma dose d'aventure pour aujourd'hui. Pour toute ma vie, même. Merci, Amit. Je n'aurais pas réussi sans toi. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un mot à dire à Lodgok. Compris. Alors, je te laisse. Au revoir, Lodgok. Je ne vous oublierai pas de sitôt. Vos secrets sont en sécurité avec moi. Mais un jour, j'écrirai un livre sur cette aventure. Sans plus de cérémonie, adieu. Ils construisent d'énormes foreuses. Nous avons trouvé leur plan. Ranrok doit chercher les dépôts. Je crains que vous n'ayez raison. Cependant, mis à part au château de Rockwood, je ne vois pas où ils pourraient chercher. Vous avez dit quelque chose d'intéressant avant que j'entre dans la mine. Oui ? Si vous partagez le point de vue de Ranrok, pourquoi m'aidez-vous ? Je pensais que le château de Rockwood serait désert quand je suis arrivé pour mes recherches. J'ai été surpris d'y trouver une sorcière qui avait installé une sorte de site de recherche improvisé. Elle étudiait quelque chose avec tant d'intérêt qu'elle m'a à peine remarqué. Quand elle a levé la tête, je pensais qu'elle serait effrayée ou hautaine. Mais elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Sans hésiter un instant, elle a souri et m'a demandé de m'asseoir près d'elle. Elle m'a dit qu'elle était chercheuse et m'a montré un petit réceptacle de forme étrange frappé d'un mystérieux symbole. Elle était certaine qu'il était en métal gobelin, mais elle n'a pas pu l'ouvrir. Elle voulait que nous travaillions ensemble. Myriam. Oui. Mais comment avez-vous... Les pousses de figues. Il m'a parlé de ses recherches. Je sais pour le réceptacle. Ah.
Elle parlait de l'intelligence et du talent des gobelins avec tant d'admiration. Je dois dire que je ne m'y attendais pas. Je n'avais jamais été traité avec tant de respect par une sorcière ou par un sorcier. Donc, je l'ai laissé étudier le réceptacle à condition qu'elle me permette de fouiller le château seul. Nous avons pris congé et elle m'a promis de me dire ce qu'elle découvrirait. D'autres recrues de Ranrok sont arrivées et nous avons creusé jusqu'à trouver le premier dépôt. Ranrok était ravi de notre découverte. Mais il s'est énervé au sujet de Myriam. Il m'en voulait d'avoir fait confiance à une sorcière. Quand j'ai entendu dire qu'elle avait été tuée... Vous pensez que Ranrok l'a tuée? Je ne veux pas y croire. Mais... je ne sais pas. Ensuite, quelque chose a changé en moi. J'avais vu à quel point le pouvoir des dépôts transformait Ranrok. Les transformait tous. Je ne pouvais plus être mêlé à tout cela. Merci, Lodgok, de m'avoir dit ça. Hein? Si je vous raconte tout, c'est pour que vous compreniez les enjeux. Ranrok n'a pas trouvé tous les journaux de Bragbor. Mais ceux qu'il a trouvés suggèrent que Bragbor avait construit un dépôt bien plus grand que celui qui se trouve sous le château de Rockwood. Ce que vous avez découvert ici m'inquiète beaucoup. Si Ranrok apprend l'emplacement de ce dépôt, je crains que cela déclenche une grande guerre. Je découvrirai ce que c'est Ranrok. Attendez, mon hibou.